Si tu en as marre de ne pas savoir pourquoi draguer une fille, alors regarde bien cette vidéo. Est-ce que tu te reconnais dans les situations suivantes ? Tu n'es pas vraiment intéressé par aller draguer des filles et tu t'intéresses à savoir pourquoi eh bien, c'est le cas. Ou alors, tu es intéressé par des filles, mais tu te demandes pourquoi il faut les draguer pour pouvoir être avec elles et pourquoi c'est pas finalement super simple de pouvoir être avec une fille sans draguer. Dans cette vidéo, on en parle et j'aimerais qu'on établisse une relation de confiance dans cette vidéo. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu qui peut t'aider pour la suite de ta vie. Draguer une fille est une démarche qui est, on va dire, nécessaire et qui est observée dans le monde animal également pour pouvoir, eh bien, séduire, faire en sorte que deux personnes se retrouvent ensemble par un consentement choisi. Et comme tu l'as remarqué, les filles, et dans le monde dans lequel nous vivons, sont abordées, draguées par de multiples personnes quotidiennement. C'est-à-dire qu'une fille, en moyenne par jour, elle peut être draguée entre 3 et 20 fois en fonction de la manière dont elle s'apprête et la manière dont elle se maquille, de la manière dont elle se prépare physiquement et qu'elle s'apprête à sortir. Et les garçons, ben, ça ne t'a pas échappé, nous ne sommes jamais abordés. Donc il y a un déséquilibre social qu'on appelle en sociologie en fait cette interdépendance. Et du coup, en fait, c'est au garçon de s'approcher d'une fille qui l'intéresse pour lui montrer son intérêt et faire en sorte de lui montrer qu'il existe et qu'il a des caractéristiques qui peuvent lui donner envie d'avoir une relation avec lui. Draguer une fille, c'est pas quelque chose de facile parce que, comme tu as pu le remarquer, dans l'école, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, on n'a pas appris, on n'a pas eu de cours pour apprendre eh bien, la séduction. C'est quelque chose en fait qu'on n'apprend pas du tout, apprendre à séduire, apprendre à se marketer, apprendre à plaire, apprendre à déplaire ou éventuellement apprendre finalement à avoir des conversations avec quelqu'un de qualité. Les règles de bonne manière ne sont pas des choses qu'on apprend et on doit se former sur le tas et c'est pour ça que mes formations en ligne que tu peux découvrir dans la description de cette vidéo ont ce sens. L'objectif, encore une fois, c'est de s'éduquer sur la manière de pouvoir être un homme séduisant et surtout de pouvoir éventuellement trouver la femme de sa vie ou la femme de sa nuit, comme j'aime à dire. Mais pour savoir si quelqu'un est la femme de sa vie, il faut déjà qu'elle passe une première nuit avec nous pour pouvoir savoir si on a envie, si elle a envie que des choses puissent être en commun et dans l'avenir ensemble. Donc pourquoi draguer d'une manière générale, en résumé ? Draguer, c'est pour simplement se mettre en couple avec quelqu'un qui nous intéresse, convaincre quelqu'un que nous avons un bon côté, une personnalité qui peut lui permettre de pouvoir vivre une vie heureuse et de plus être, de pouvoir avoir une vie individuelle comme elle le souhaite, heureuse, mais aussi une vie en couple heureuse, puisque, comme j'aime à dire, un couple, c'est la somme de 3 personnes, 2 personnes indépendantes et une personne unie, et que du coup, ces 2 personnes indépendamment doivent déjà avoir une vie, une liberté et ensemble avoir quelque chose qui convient pour le court, le moyen et puis le long terme. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on clôture cette vidéo, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses en ce moment, au moment de cette vidéo. Tu as un bouton partager juste en dessous, tu cliques dessus et tu peux partager sur WhatsApp, Messenger, Facebook ou les différents médias que tu apprécies d'utiliser. Aussi, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin, notamment avec les formations en ligne qui sont disponibles en un clic. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.